C'est l'heure de prendre soin de votre santé. En période de crise sanitaire, maintenez le lien avec votre médecin en consultation ou téléconsultation et pensez à prendre rendez-vous en cas de symptômes inhabituels. Chaque année en France, 45 000 personnes se voient diagnostiquer un cancer du poumon, une maladie souvent difficile à traiter, difficile à vivre. Laure Guéroux-Acollas, quel est justement le vécu de ces patients? La majorité des patients sont des fumeurs ou d'anciens fumeurs et pour eux, il y a un fort sentiment de culpabilité. Pourtant, il y a 20% des gens qui n'ont jamais fumé et pour eux, c'est vraiment un sentiment d'injustice, de colère. Et pour tous, il y a un fort sentiment d'isolement. C'est une maladie qui est très compliqué à partager autour de soi. Avec mon réseau cancer du poumon, on leur permet finalement d'échanger, de se soutenir, de se sentir compris. Alors justement, comment mon réseau cancer du poumon peut-il les aider pendant le confinement? Tout au long de cette période, on propose donc des cafés virtuels, des ateliers en ligne, des webconférences. On relaie des propositions d'associations, mais aussi de centres de soins. Et puis ce qui est très important, c'est qu'on incite les patients à continuer à se soigner. Merci et à très bientôt pour une nouvelle Minute Santé.